Salam alaikum, bonjour les amis, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui car j'ai plein de petites choses à vous montrer dans ce vlog parce que j'ai beaucoup de commentaires où certains abonnés me disent qu'ils sont très contents, qu'ils voyagent à travers les vidéos que je fais en ce moment au Maroc. Du coup, j'ai voulu vous donner un petit peu d'autres moments de mes journées. Donc là, c'est assez basique. Je vous montre quand je suis allée manger dans un petit restaurant on va dire banal entre guillemets. Hein. Vous voyez, ça fait un restaurant qui fait pas mal de salades fraîches, tout ce qui se mange au quotidien, salade fraîche. Poulet avec du riz, pizza, tacos, le quotidien quoi. Donc je voulais filmer. Vous verrez également par la suite, ce que j'ai beaucoup aimé filmer, c'est les vendeurs de maïs grillé ou maïs bouilli dans l'eau. Vous allez voir comment ils font ça. Et également des vendeurs de jus de gingembre et citron, gingembre frais, citron frais avec de la canne à sucre, la vraie. Vous allez voir comment ils font, comment ils la broient et tout ça. Je trouve ça super. Et également les vendeurs d'escargots à la marocaine avec des pois chiches qui accompagnent les pois chiches accompagnent les escargots à la marocaine avec un jus qui se boit, le jus d'escargot se boit également. Donc pas mal de choses au programme dans ce vlog et j'en suis très contente car là vous allez voyager avec ces petits vendeurs là, des choses qu'on n'a pas en France, donc c'est sympa de voir des choses qu'on n'a pas en France. Donc voilà, pour vous mes abonnés, je vous ai filmé ça. Donc là, ce qu'on voit, on est dans le restaurant. J'ai demandé si je pouvais donc filmer un petit peu ce qu'ils faisaient. Là, on voit la broche à shawarma pour faire des petits... c'est avec les wraps, on met ça dedans avec plein de petits légumes et de la sauce. Là, on voit des tacos avec des frites. À côté également de la salade, ils font pas mal de salades fraîches. C'est d'ailleurs ce que j'ai pris. Hein. Les salades, c'est les salades basiques. Hein. Il y a de tout, œufs, thon, riz, cornichons. Ils font même des calamars, crevettes dedans dans les salades. Olives vertes, olives noires, vraiment de tout. Hein. Pommes de terre, carottes, petits pois. Donc on appelle ça les salades composées, voilà, donc vous choisissez sur la carte du menu ce que vous voulez comme salade, parce qu'il y a plusieurs types de salades. Donc j'ai fait exprès là de vous montrer en zoom, voilà, tout ce qui se fait, les salades, les sandwichs, les pizzas, les brochettes, tout ce qui se fait. Vous voyez à côté les prix en dirhams, voilà, vous divisez par 10 pour avoir le prix en euros, tout simplement. Si vous voyez par exemple à 30 dirhams, ça fait 3 euros. 50 dirhams, ça fait 5 euros. Donc c'est très très abordable, hein, mais c'est normal, ce sont les prix du Maroc par rapport à la France, ça n'a rien à voir, mais le niveau de vie n'est pas le même du tout. Hein. Le SMIC est beaucoup beaucoup plus bas au Maroc qu'en France, donc forcément la restauration et tout ce qui s'achète au quotidien, le vital, l'alimentation, l'hygiène et tout ça, c'est beaucoup moins cher, c'est normal. On ne peut pas comparer la France et le Maroc sur ça. Donc vous voyez, j'ai fait exprès de tout vous montrer, comme ça vous avez les tarifs. Vous voyez à peu près les prix que pratiquent les restaurants au Maroc. Donc les pizzas par exemple, une pizza pour une personne, il faut compter à peu près entre 4 et 6 euros la pizza pour une personne. Alors là, c'est ce qu'on avait commandé. Là, il y a une petite barquette de frites avec un petit sandwich au thon, avec de la baguette aux céréales et une petite sauce qui l'accompagne. Moi, de mon côté, vous allez voir, j'avais pris une salade composée, la salade du pêcheur qui était à 30 dirhams. Donc, vous divisez par 10, ça revient à 3 euros la salade du pêcheur pour vous donner un peu les prix approximatifs qui se pratiquent dans la restauration. Donc là voici ma salade, hein, très simple, hein, mais bon, il faisait chaud ce jour-là, j'avais vraiment envie de quelque chose de frais. Donc là vous voyez, il y a des petites crevettes, des calamars, maïs, riz, petits pois, cornichons, tomates, oignons. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Cœur de palmier également il y avait. Olive également. Voilà, donc... c'est très bien passé, c'est frais, avec un peu de laitue également.
Il y avait du thon aussi à l'intérieur, donc thon, crevettes et calamar pour les protéines. Ah oui, on voit également des champignons. Donc il y avait pas mal d'ingrédients quand même, des champignons frais, ça c'est agréable aussi. J'ai trouvé ça très bon, les champignons dans une salade. Je pense pas forcément à le faire à la maison, mais je devrais parce que ça, je trouve que c'est très très bon dans les salades. Donc oui, je crois qu'on a fait le tour. Ça, on voit la tomate concassée en petits dés et de l'oignon également. Donc les lamelles que vous voyez, ce sont des calamars. Et c'est vrai que oui, ça c'est des choses également que moi je mets pas dans mes salades. J'ai pas l'habitude les calamars. Les crevettes je le fais, mais les calamars je le fais pas. Et c'est vrai que c'est très très bon aussi. Et puis on avait commandé également des pizzas que voici. Alors sincèrement, je les ai pas trouvées top moi les pizzas. La pâte c'est pas ça du tout. Non, pour moi ça c'est pas des vraies pizzas. Il n'y a pas mieux que les pizzas qu'on a en France. Et celle également que je fais maison, c'est pas pour me vanter, mais de toute façon les pizzas en France elles sont meilleures. Hein. Faut dire la vérité, hein. Ce qui est bon au Maroc on le dit, ce qui est meilleur en France on le dit. Mais je préfère les pizzas de la France, sans aucun doute. Il y en avait là au jambon, d'autres une au poulet et une à la viande hachée. Il y avait un peu de mélange, hein. Je saurais plus trop vous dire exactement, mais c'était de la charcuterie surtout et poivrons. La pâte, elle est pas moelleuse, elle est assez dure. Non, 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 la pâte, c'est pas ça du tout. Le fromage, ils en mettent pas assez. Je suis honnête avec vous, je vais pas vous mentir. Hein. Et là, ce que j'ai trop, trop aimé, les amis, c'est ce petit vendeur de jus de gingembre, citron et canne à sucre. Donc du vrai sucre, pas du sucre raffiné. Regardez ça, je vous ai filmé ça en direct. Comment il fait ce jus-là? Alors, pour être honnête avec vous, donc je m'en suis pris un, mais c'est beaucoup trop sucré. Pourtant, c'est du sucre naturel, hein, c'est le sucre de la canne à sucre. Mais moi, j'ai l'habitude de prendre des citronnades sans sucre, donc ça m'irritait la gorge tellement c'était sucré, je trouve. Donc moi, ce que je ferais pour moi à la maison, je vais m'acheter du gingembre frais, du citron frais. Je vais les éplucher, je vais les mixer, ajouter de l'eau bien fraîche, et je vais filtrer ça et je vais me laisser ça au frigo toute la journée et je me boirai ça et je trouve ça trop trop bon. Mais moi, il ne me faut pas de sucre dedans, je n'aime pas ça du tout quand c'est sucré. Mais ceux qui aiment le sucre, hein, franchement, ils ne peuvent que aimer. Donc vous voyez? Les sortes de bouts de bois là, ce sont les branches de canne à sucre. Il les broie directement dans sa machine, ça coule. Il met également avec des morceaux de citron frais et morceaux de gingembre frais. Donc au niveau nutritionnel pour la santé, c'est top. Hein. Citron, gingembre, magnifique. Mais je trouve ça trop sucré. Il devrait peut-être mettre moins de, je sais pas, c'est trop sucré hein, la canne à sucre, beaucoup trop. À mon goût bien sûr. Hein. Parce que je peux vous dire qu'il y avait une file d'attente pour ces jus-là. Hein. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Donc je trouve ça trop sympa. On n'a pas ça également en France, donc je voulais absolument vous le montrer. Il est là, au bord de la route, avec sa machine. Et il fait ses petits jus. Et bah, il n'a pas à se plaindre. Hein. Il a énormément de monde. Ça marche super bien pour lui. Voilà, je m'étais pris un jus. J'ai bu deux gorgées, j'ai arrêté parce que c'était trop sucré. Donc sur ça, je suis super contente de vous l'avoir filmé parce que vous allez découvrir ça. Et c'est top. Et voilà, là, on arrive. Il était juste à côté. Hein. C'est vraiment tout sur le même trottoir. On a le vendeur de maïs grillé. Soit vous le prenez en grillé, soit vous le prenez bouilli. Là, comme vous voyez dans la marmite, il est en train d'être bouilli. Donc voilà, nous, on s'en est pris un grillé. Franchement, c'est grillé, vous attendez 2 minutes. En 2 minutes, c'est fait. C'est des pros, ils ont l'habitude, ils font ça super vite. Il n'y a pas d'attente, ça c'est agréable. Vous voyez là, c'est sympa à filmer parce que nous, on n'a pas ça en France. Donc, les petits artisans, entre guillemets, comme ça, je trouve ça super à filmer, à montrer pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais voyagé au Maroc. Voilà.
Moi, je vous dis, j'aime bien, je regarde beaucoup de vidéos YouTube sur des destinations que je ne connais pas, des habitudes, la culture des gens. J'aime énormément découvrir ça. Donc, je me dis qu'il y en a qui sont comme moi et qui vont apprécier cette vidéo, ces images-là. Et la dernière partie de la vidéo, c'est juste à côté également de ce vendeur de maïs, c'est un vendeur d'escargots et de pois chiches avec un petit peu saupoudré de cumin. Le pois chiche, il est saupoudré de cumin et de piment, soit doux, soit fort, à votre guise. Donc ça aussi, je trouvais ça sympa de vous filmer ça. Donc ça y est, nous là, on récupère notre maïs et puis je vais marcher avec la caméra à la main jusqu'au vendeur d'escargots. Donc vous avez vu, c'est très très animé au Maroc, hein. Là, on est le 14 août là sur cette vidéo et regardez, il était 20h. Le couvre-feu était à 21h et c'est bondé de monde. Alors, ce qui est gênant, c'est que c'est vrai que les gens ne mettent pas le masque. Ça, c'est pas top, hein, pas top du tout. Et pourtant, au Maroc, il est très recommandé de le mettre, hein, à l'extérieur. Mais c'est vrai que je regardais très peu le mettre. Donc là, je vous dis, il était à peu près 20h, ouais. 20h, 20h, oui, 20h15, je crois. Donc il y avait, regardez, même sur la route, les voitures, hein, c'est très, très animé les soirs d'été au Maroc. Il y a des manèges, des choses comme ça. Donc les parents viennent avec leurs enfants se balader, passer un bon moment. Il y a également les vendeurs de pop-corn, de cacahuètes, de graines de tournesol. Donc là, voilà le vendeur d'escargots, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez, il y a un jus également avec l'escargot. Et quand vous avez fini de manger vos escargots, vous buvez le jus. À ce qui paraît, il est très bon le jus, je vous dis la vérité. Moi, j'en ai jamais mangé là des escargots. Je sais pas, j'ai peur d'avoir mal au ventre, de tomber malade. J'ai jamais osé en manger. Et on m'a dit que c'était très très bon, mais j'ai pas encore franchi le pas. Donc, vous voyez, ça se vend avec à côté un petit bol de pois chiches. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. J'espère que celle-ci vous plaira et que vous découvrirez des choses à l'intérieur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Prenez soin de vous en tout cas et à très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Au plaisir.